Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Borderlands The Pre-Sequel. Yeah. J'étais où là? Ah oui! Bah j'étais à la suite, tout simplement. Youpi, on est entré dans le vide. Le vide intersidéral. Space, the final frontier. Putain, mais vous êtes dur à tuer! Waouh! C'était joli comment il a fait ça! Tu vas crever, oui! Ouais, non, bah voilà! Bon, bah maintenant je perds comme ça, hein! Ça marche! Ça marche de toute façon! Yep! Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref! Je peux crever à volonté et puis faire un combat pour la survie, alors tout va bien. Yep, y'a quoi? Je prends. Vous savez quoi? Oh mais t'arrêtes, oui! Arrête! Bon, j'ai assez d'oxygène qui traîne, ouais. Bon, par contre, la vie, c'est pas ça. Hein. Je suis nul à ce jeu. J'ai réalisé maintenant, mais je suis nul à ce jeu. Sérieux, je dois juste en exaspérer plus d'un, vu ma manière de jouer. Bah en même temps c'est pas comme si j'en avais quelque chose à foutre mais voilà quoi. Je sais que ceux qui savent jouer au jeu doivent péter un plomb à me regarder jouer. D'ailleurs on m'a posé la question bah pourquoi le... par MP hein je précise, cherchez pas dans les commentaires. Parce qu'il y en a qui aiment m'envoyer des MP plutôt que laisser des commentaires, je sais pas pourquoi. Surtout quand c'est pas des questions personnelles. On m'a posé la question mais bah, pourquoi Borderlands il est pas en 60 FPS en HD. Bah tout simplement parce que mon jeu ne tourne pas à 60 FPS. Je tourne à 35 voire 40. Donc ouais, mais c'est parfaitement jouable. Alors qu'est-ce que je m'en fous au final? J'essaie bien de préciser dans Vegas. Allez vous faire voir. Trop facile. Non, c'est pas trop facile parce que sinon on serait pas mort tout le temps, connasse. Et arrête de rire comme une tarée, ok? J'ai besoin de ton oxygène. Donne. Merci. Je t'ai eu. Putain, mais vous êtes trop nombreux! Laissez mon bouclier remonter. Putain, mais vous voulez pas crever? Regardez-moi ça, je lui tire dessus, il s'en fout, ça passe tout à côté! C'est quoi cette connerie là? Sérieux, je sais bien que j'ai pas des armes ultra puissantes, mais bon, merde! Vous savez ce qu'il me faudrait? Il me faudrait un fusil de sniper. Là, je lui tire en plein dessus. Il en a rien à foutre. Regardez-moi ça. Mon viseur est dessus lui. Et là, évidemment, quand je dis ça touche. Bon, avant, ça touchait pas, je le promets, monsieur le juge. Ok. Bon, jusque-là, ça va bien. J'ai réussi à survivre par un miracle qui m'échappe encore. On pourrait éviter de me tirer dessus pendant que je regarde dans ces casiers. J'ai de nouveau des munitions pour le Jacobs. Yeah. Alors attends voir.
J'ai quoi comme arme qui traîne pour ça? Qui serait meilleure que celle que j'ai déjà? Dégâts 9, 13, 15, 23, bah c'est tout moins de dégâts que ce que je fais déjà quoi. Non, c'était pas ça du tout que je voulais. Tu me donnes mon Jacobs. Il est où mon Jacobs? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas mieux. Ah, je sais, on m'a dit dans les commentaires que si je faisais aussi peu de dégâts, c'était à cause des stats de mes armes. Qui c'est qui envoie des tomahawks dans l'espace? Putain, mais hé! Regardez-moi cette difficulté, je suis en facile, je vous le rappelle, hein. Putain! Non! Non, 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 je vais pas mourir maintenant, pas après tout ce que j'ai fait. C'est bon, hein. La vie ne remonte pas automatiquement. Alors ouais, vous me direz, c'est pas plus mal, hein. Ça permet de revenir à la mode des anciens FPS où il fallait trouver des kits de soins et tout. Mais je trouve que cette mode-là, elle est passée. Sérieux, après je dis pas que Call of Duty a donné le bon exemple en faisant de la vie qui se régène automatiquement. Hein, je veux dire, d'accord, l'air frais, c'est pas ce qui se fait de mieux pour reprendre de la vie, ok. Mais merde, c'est pratique. Ça permet de pas s'éloigner de l'action, de pas flipper à chaque fois qu'on est sur le point de crever. Ah ouais, je deviens peut-être trop casual. Regardez-moi ça. Mais rien à foutre, quoi. Il crève pas, le mec, il s'en fout. C'est genre, tu me tires dessus, mais va te faire foutre. Ça change rien pour moi. Ma mère me tirait dessus tous les jours. En fait, j'ai compris. La balle arrive plus tard que le moment où je tire. Il s'écoule une seconde entre le moment où je tire et le moment où ma balle touche. J'ai pigé, où était le souci? Puis à chaque fois que je crois que je vais avoir un peu de calme. Non, 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 non. Non, non, il va pas y avoir du calme. J'ai pigé, où était le souci? Touché. Relève-toi! Ou tu vas mourir comme ça? Seul dans la douleur? Eh ben, deux mecs qui savent pas tirer qui se tirent dessus. Depuis quand des balles de pistolet arrivent une seconde après qu'on les ait tirées? Quand même. Je me permets de poser la question. Et... Ouvre-toi! Saloperie, va. C'est comme ça que ça marche, hein, dans la réalité. Prudence, niveau d'oxygène à moitié rempli. Oui, bah c'est bon, je l'ai re-rempli, hein. Ils lâchent tout leur oxygène par terre, c'est cool. Je sais même pas ce que je fous là. Aïe. Bon, j'ai activé la plateforme. Je crois. J'espère en tout cas, parce que putain, ça fait mal cette saloperie. Oh non, 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 j'avais tué tout le monde! J'avais tué tout le monde! Il n'y avait plus personne là en bas. Tenez, prenez! Putain, je les ai eus. Bon bah ça va être long les mecs hein. Vous êtes au courant de ça? Vu qu'on tire tous les deux extrêmement mal. Non mais regardez-moi ça. La balle. Calculez le temps entre le moment où il y a l'impact et le moment où je tire. Sérieux. C'est du foutage de gueule de manière intégrale là. Depuis quand une balle? Mais je sais bien qu'on est dans l'espace, mais la gravité. Putain de merde, j'ai plus d'oxygène!
bordel. En même temps, je mets 3 plombs à tuer un ennemi. Comment veux-tu que j'aie de l'oxygène? Crève dans ta misère. Voilà, je l'ai eu, je sais pas comment, je... Ok. Ok. Je pense qu'il faut que je monte sur la plateforme maintenant. Bah vas-y! Non mais sérieux, tu te fous de moi là ou quoi? Voilà, je suis sur ta putain de plateforme. J'ai activé cette connerie. Ouhou. Il y a des trucs là. Je crois que ça m'a échappé et que c'est parti dans l'espace intersidéral, mais je peux me tromper. Plein. Ouh, attendez voir. Faut que je me débarrasse d'une de ces armes à la con là. Abandonner. Je peux abandonner celle-là aussi. Je veux ça. 38. 38 de dégâts, ça c'est... Waouh. Il me le faut. Alors, 38, ouais, c'est ça que je veux. Ah ouais, tout de suite, ouais, là je vais apprécier, ouais. Bon, reprenons de l'oxygène. C'est beau ça quand même qu'il y ait des petites réserves d'oxygène dans l'espace, ça fait plaisir. Sinon comment je vais pour prendre les cocontes, attends voir. Map, pourquoi map n'est pas sur M, bordel. Ah, niveau de brutasse, ah oui c'est vrai, il faut que j'utilise ces trucs. Dégâts effet élémental, réduction du recul, chance effet élémental. Dégâts effet élémental, allez hop. Puis précision des armes, ouais, ça sera pas plus mal. Vitesse de rechargement, ça sera pas plus mal. Cadence de tir aussi. Et santé max, voilà. Putain, ça va faire du bien. Bon, bref, je voulais dire. La carte, voilà. Quitter vers terrain vague de Serenity. Ok, d'accord. Parce qu'il faut que j'aille... J'ai récupéré une quête entre deux. Je sais pas comment changer de quête. Ça doit être faisable, attends. C'est par là? Ah, apparemment. Ah, voilà. Comment j'ai pu galérer là-dessus, moi? T'as utilisé des plateformes? Ouais. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai aussi assisté à la mort de nombreux innocents. Attention, ouais, mais des plateformes, quoi. Ouais, mais des plateformes, quoi, bordel. C'est des plateformes. C'est cool. Le fait que tu sois arrivé sur cette planète ou cette lune en fusée en manquant de te tuer parce que t'avais pas de ceinture de sécurité, ça c'est pas cool, mais... Putain, des plateformes. Bordel. Te rends pas compte? C'est quelque chose. Bon, je suis au moins dans une zone à oxygène. Yeah, une cinématique, ça faisait longtemps, tiens. Point mort, c'est l'heure pile du combat avec le boss, ok. Youpi, donc je dois juste te buter. Le voilà, bute-moi ce débile, mais je devrais pouvoir te rapprocher de Concordia et de ton brouilleur mystère. J'exige la mort de ces chasseurs de l'arche, ou je ne m'appelle plus Bucéphale, point mort. Bucéphale. Bucéphale, tu t'appelles Bucéphale, mec. Oh putain, aïe. Il m'a envoyé ça de où? Il est où? Ouais, cette fois j'ai une arme qui est précise. Alors on va te faire foutre. Les mecs, je vois pas où vous êtes. Je veux pas être méchant, mais je vois pas où vous êtes. Ah voilà. Salut, Bucéphale point mort. Wow. Putain, mais il fait super mal. Non, tu arrêtes de me tirer dessus là, c'est bon, j'ai plus de vie. Non.
Comment ça, biceps? Putain, il est dur celui-là. Je suis mort. J'étais mort là, hein. Non, mais c'était vite vu, quoi. J'avais pas une chance. Et bien sûr, je vais repop 30 ans plus loin. Logique. Allez, dis-moi où je repop, que je rigole, mais que je rigole super fort. Ah bah non. Ouais, non, mais attends, il est revenu au maximum de sa vie en plus. Non, mais what? Je vais pas y arriver, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais pas y arriver. Je vais juste rester ici puis attendre qu'ils viennent. C'était quoi ce bruit? Ah d'accord, il fait mumuse avec Wow, c'est une grenade ça. Je peux pas ouvrir cette porte. Bon, au moins il récupère pas son bouclier. C'est cool que tu sois le poids mort, tu veux pas te montrer? Parce que là je te vois pas, je vais pas monter sur tes plateformes où tu fous de l'électricité, hein. Wow. Oh putain, je plonge en plein dans l'électricité. Da fuck, je suis où? Il est où? Ouais, en même temps, juste le boss, ça aurait été assez dur. Mais non, il a fallu qu'il rajoute des... Et il récupère son bouclier en plus. Bon, à part y aller comme un bourrin, là, je vois pas ce que je peux faire. Ouais, mais non, mais... Hé, hey, oh! Salut. Salut. Ça va? Reste dans le coin, je te dis. Maintenant, je te tue. Et on n'en parle plus. Non, tu viens ici. Oh putain, merde. Putain, il y a de l'électricité, je vais mourir. Oh putain, faut que je me casse. Faut que je me casse. Il y a de la vie, il y a de la vie, pitié, de la vie. J'ai besoin de vie, le bouclier ça suffit pas. Oh, point mort, t'es où? Non mais tu... Mais tu te... Putain! Bon, j'ai plus qu'à crever quoi. Non mais sérieux, sérieux, j'ai quitté la salle, il a tout récupéré. Mais va te faire enculer quoi le jeu. C'est quoi la raison par contre, les éclairs qu'il a laissé et tout le bordel, c'est toujours là, c'est bon, je vais me laisser crever puis je vais reprendre. Voilà. Ah c'est bon, j'ai pas besoin de combattre pour la survie là, hein. Hop, là 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 là. Ouais, quand je meurs, on me redonne pas mes munitions et tout le bordel là, hein. Oh puis merde. Je sais pas ce qui se passe là. Oui, bah je peux rien faire, hein. Je veux dire, le seul ennemi que j'ai en face de moi, c'est lui. Et puis le tuer en combat pour la survie, je peux toujours crever pour le faire. Oh.
J'ai pas eu le temps de me désintégrer avant. Non mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ce boss est trop dur. Je veux dire, je suis en quelle difficulté là, bordel. Je demande de duel accepté, blablabla. Difficulté, putain. Y a moyen de réduire la difficulté? Non, y a pas moyen. C'est va te faire foutre quoi. Le voilà, vite, bute-moi cette brute, blablabla. C'est bon, j'ai compris. Mes munitions, vous me les redonnez pas, par contre, hein. Ouais, 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 il est poids mort, on est au courant. Enfin, il paraît que vous aimez me voir rager, bah voilà, vous avez eu une bonne rage. C'est cool que tu sois le poids mort, mais tu fais comment pour avoir des... laisse tomber, je vais arrêter de poser des questions. Pourquoi ce boss est aussi dur? Pourquoi j'ai autant de mal à le buter? En plus, j'ai une toute nouvelle arme qui est bien cool et qui fait bien des dégâts. Mais que j'ai l'impression ne sert à rien. C'était quoi ça? Pourquoi je suis... En fait, cette arme, tu dois prendre le temps de viser. Et là, exactement, en ce moment, j'ai pas le temps. Bah oui, c'est sympa la grenade à un endroit où je peux pas me casser. Toi aussi. Quand j'en aurai fini avec toi, ta mère te reconnaîtra plus. Allez hop, on y va. On va essayer de la tirer par ici. Toi, tu vas te faire foutre, je t'ai rien demandé. Il est où le monsieur là? Merde à toi aussi, écoute. C'est cool. T'en fous un peu. Ouais, c'est cool, je vais mourir. Ouais, c'est cool, hein. Je comprends, toi. Je comprends que ce soit super cool pour toi. Et ça, c'est inévitable. Je veux dire, c'est des têtes chercheuses. Oh, putain! Ce boss est abusé. Ok, ce boss est abusé. Clairement, c'est de l'abus, ce boss. Il me faut de la vie et ils ont foutu de la vie nulle part. Tu sais quoi? Je vais utiliser ma... Je vais utiliser la technique que je comptais utiliser, c'est-à-dire me planquer ici, ne plus bouger et attendre qu'il arrive. À court de munitions, c'est magnifique. Maintenant, avec cette espèce de daube, j'ai pas la moindre chance. Que ils auront peut-être utilisé ça à la place. Hein. Bien sûr, il y a des gens qui me lancent des grenades, mais bon. Putain de merde. Non, 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 non. Mais j'ai pas une chance. Putain, mais regarde. Bon, maintenez-le pour abandonner. On va pas se faire chier. Je dois battre ce boss. J'ai pas envie de reprendre la prochaine partie et d'être face à cette merde. Ce jeu me saoule. Profondément. Ce jeu me saoule. Leur espèce d'humour pourri qu'ils ont en permanence, ça va un moment. Mais quand on meurt 20 fois de suite face au troisième boss du jeu, c'est bon, il y a un souci. Regarde-moi ça. Ah ça, les mecs que j'ai tués avant, ils sont toujours là. C'est même pas un reset quoi, c'est juste que le jeu a dit on va faire comme si c'était rien passé, puis lui redonner toute sa vie. Eh ben putain de merde.
Arrête avec tes tomahawks, enfoiré. Et arrête de courir dans tous les sens, ça m'énerve. C'est cool, tu t'es mis sur ton 31, tu peux venir ici. Putain, mais ça va, mais casse-toi! Non, t'es une merde. T'es une merde avec trop de points de vie. Et si tu pouvais arrêter d'avoir des sbires, ça va, t'es assez dur. Y'a pas besoin que t'aies des sbires, enfoiré. Il y en a encore un autre qui se planque là-haut. Point mort, t'es où? Point mort, si tu restes là-haut, je viens pas, hein, je suis pas con. Je suis le meilleur en tout. Où est-ce que t'es? Non. Tu croyais quoi? C'est le moment de se marrer. Ouais, mais tu sais... Ouais, mais je vais pas venir vers toi. C'est bon, j'ai fait l'erreur deux fois. Je ne viens pas vers toi. Je ne viens plus vers toi. Je vais te transformer en martyr. Je suis pas con, hein. Tu vas prendre cher. Oui, mais si tu pouvais arrêter d'envoyer tes merdes bleues, là. Ouais, t'es un poids mort, effectivement. T'es où? T'es où, enculé? Viens là! Ah bon? Ok. Derrière moi. Derrière moi, il y a un mec. En fait, ça sert à rien de les buter, ils reviennent en permanence. C'est... Oh, tu sais, je vais pas aller sur tes plateformes, hein. Oui, bah, je suis planqué, vas-y. Ouais, et moi, je suis le pape. Ouais, c'est cool, je monte pas. Non, mais ça va être long, hein, je vous le dis tout de suite, ça va être long. Parce que là, j'y vais, je me fais buter. Concrètement, je sais pas, j'ai peut-être oublié de mettre des stats quelque part, j'en sais rien. D'ailleurs, je vais voir tout de suite. Y'a pas grand chose que je puisse faire de plus. Ah bah tiens, si. Augmente les dégâts de vos armes, vas-y. Ah voilà, c'est moi qui étais con, hein. Oh non, 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 non. C'est bon. Je reste à l'abri. Wow. Effectivement, ça fait un petit peu plus de dégâts. Tu veux bien arrêter de bouger? Je veux dire, le système de visée est tellement pourri dans ce jeu. Est-ce qu'on pourrait éviter de faire gigoter les ennemis à ce point? Bon, là je suis mort là. Non, même pas. Ça va. Ouais, augmente les dégâts de vos armes, ouais. Je vois pas vraiment plus de dégâts. Il me reste plus que 5 balles. Putain, mais regarde-moi ça. Ça me fait perdre tout mon bouclier, cette saloperie. Il n'y a pas une once de vie dans le niveau. Viens là! Arrête de télé... Putain de merde, j'en ai marre là. J'en ai marre, j'ai pas envie de passer 3 ans sur un putain de combat de boss.
où que je sois, il m'envoie ces espèces de boules d'énergie de mes deux. Y a pas assez de balles là-dedans. Viens ici, enfoiré. T'es où? Bon. Je sais pas ce que le jeu attend de moi. Je sais pas si le jeu attend que j'arrive à tuer ce truc. Mais je vous le dis tout de suite, je vais pas y arriver. Ouais, ouais, c'est ça. Garde-moi ça, mais je peux pas éviter ces boules de merde. Oui, oui, je prends déjà cher, t'en fais pas. Je demande pas trop de facilité, mais là c'est carrément abusé. Merci pour les munitions, j'en aurai besoin. Ah bah tiens! Viens là. Même ça, Bruno n'a pas pu m'arrêter. Oh putain. Maintenant je te bute. Enfin. Connard. Bon, maintenant je tue les connards restants. Où est-ce qu'il est le dernier? Oh, t'es où? Eh, hey, enfoiré! Viens là, je vais pas te laisser en vie. Il est où ce temps pas fait? Bon, attends. Ça me fait penser à Portal, le bruit là. Voilà, ça c'est fait. Maintenant il faut que je trouve la clé de numérisation. Cela il me prend chier, il te court dessus, il te pilonne. Loupé. C'est cool, mais vous revenez en permanence en fait, ça sert à rien ce que je fais. Bon, ok. Je vais vite me dépêcher de trouver leur fameuse clé de numérisation là, parce que sinon, je sais pas ce qui pourrait m'arriver. Voilà, allons-y. Et on les emmerde. Eh bien, restez derrière, tirez dans le vide, je m'en fous. Ah, cette partie-là m'a bien fait péter un plomb, hein. Le fait que le boss reprenne des points de vie alors que sans raison. Bon sang, je suis bien contente de la revoir. Ramasse-la. Ouais, ouais. Maintenant que t'as la clé de numérialisation, tu peux activer un de mes Munzumi à la station d'Al. C'est génial. C'est rempli de pillards là-bas depuis la grande fissure. Ok, il y a des trucs plus puissants que ce que j'ai déjà là. Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Et là. C'est bien, ils restent à l'extérieur, ils sont gentils. 14 et 14. C'est de la merde. C'est ça les Munzumi. Génial. Ces geysers d'oxygène peuvent remplir ton kit. Passe dessus et inspire bien à fond. Oui, je le sais. C'est bon, t'es un peu tard là. C'est quoi ce truc? Putain. Il manquait plus que les cragons, tiens. Et je l'avais tué lui. Mais bon, bref.
C'est génial. Il me reste juste un point de sauvegarde maintenant, éventuellement. Si je pouvais avoir ça, ce serait génial, cool, magnifique, merveilleux. La carte, la carte. Ouais, mais non. Génial, comment je me casse d'ici? Ouais, bah viens, ce sera plus simple, effectivement. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression de devoir toujours recharger à chaque fois que j'ai un ennemi qui m'arrive sur le coin de la gueule. 19 balles dans le chargeur, c'est pas assez. Ah bah tiens, eux, ils redonnent de la vie, des munitions, des balles, de tout, c'est cool. Alors que eux ne sont pas censés le faire vu que c'est des bestioles. Mais est-ce que je suis bien obligé de le préciser ça? Je vais aller vers le point d'exclamation là. Ouais, j'appuie sur E mais ça marche pareil. Y'a un truc là. Salut. Il est peut-être mort mais il sait mieux que vous ce que vous allez faire ensuite. Ok. Les demandes formulées par le capitaine Thorson sur son lit de mort. Ceci est le testament de Tom Thorson, capitaine de Dalle. Les pillards de poids mort prennent d'assaut mon vaisseau au moment même où je vous parle. Si tu trouves cet écho, je t'en prie, honore les dernières volontés d'un condamné. Passe au message suivant quand tu seras prêt. Bien sûr. Merci. Tout d'abord, je veux que tu informes le colonel Zarpedon de ma mort. Branche cet enregistreur écho dans un émetteur et envoie le message. Ok, je ferai ça, mais la prochaine fois. Sur ce, si cette vidéo elle vous a plu, blablabla, vous connaissez la chanson, s'abonner, favori, etc. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo. Sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, bye. Curse! Voilà. Ah par contre, les palettes, alors putain. Regardez-moi ça! N'empêche, ça ce serait tellement pratique au boulot quand je rangeais les palettes, allez hop!